touche pas à mon poste. Jean-Luc Lemoine s'exprime sur le départ soudain d'Agathe Oukrou. Les amis, j'ai pris la décision de quitter Touche pas à mon poste. Je vous en dis plus très vite. Un grand merci aux équipes pour ces 8 mois exceptionnels. Dans un message publié sur Twitter hier soir, Agathe Oukrou, chroniqueuse de Cyril Hanouna, a officialisé son départ de l'émission. Une annonce à laquelle personne ne s'attendait. Jean-Luc Lemoine, l'un des plus anciens chroniqueurs du talk show, a réagi auprès de Yahoo sur cette démission. « Quand je l'ai quittée hier, je ne m'y attendais pas du tout. Elle n'a jamais fait part d'une envie de partir », explique-t-il. Surtout qu'il considère que la jeune femme de 26 ans était plutôt bien intégrée à l'équipe. « C'est difficile de s'intégrer dans la bande parce qu'on est une famille. » Mais la famille a beaucoup bougé, et Agathe faisait partie des personnes qui s'étaient bien intégrées et qui étaient très présentes, a-t-il conclu. En octobre, Agathe Oukrou nous révélait avoir encore du mal à accepter que la télé puisse dicter son nouveau quotidien. Peu de temps avant, l'ex-journaliste des Inrecutibles faisait face à une polémique après que des tweets polémiques signés de sa plume ont refait surface. « Les mauvaises vannes que j'ai pu faire il y a 6 ans, je ne m'en souvenais évidemment pas. » Mais cette malveillance, c'était surtout une manière de nuire à Cyril et à l'émission, expliquait-elle. Il n'y a plus qu'à attendre ce soir pour connaître les véritables raisons qui poussent aujourd'hui la chroniqueuse vers la sortie. Point.